Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé-Nantes. Dans ce journal, quelle solution pour l'accueil des 1800 familles roms de l'agglo? Les 24 maires de Nantes Métropole tentent de trouver une solution commune. Notre-Dame-des-Landes, le CNTE rejette sans réserve les modalités d'organisation du référendum local, un camouflet pour Manuel Valls. Enfin, les futures stars du foot sont à Orvault pour le mini-mondial, la Ligue des champions des moins de 11 et 13 ans. Les maires de l'agglomération nantaise vont-ils se mettre d'accord sur la question de l'accueil des familles roms? En tout cas, ils discutent. Ce vendredi, une réunion à huis clos était organisée à Nantes Métropole. Il a été question d'une meilleure répartition entre les communes. Ces dernières tentent également de trouver des solutions en dehors de la métropole. Jean-Michel Naga. Le rendez-vous s'est tenu à huis clos, au siège de Nantes Métropole. Les 24 maires de l'agglomération, tous réunis pour avancer sur une question longtemps taboue, l'accueil des familles roms. Il y a évidemment des sensibilités différentes, mais je n'ai pas senti de maire opposé à l'idée de se mettre autour de la table sur une coordination intercommunale, et ça je crois que c'est une première étape qu'il faut saluer. 24 communes, mais certaines plus concernées que les autres, Nantes, Rezé, Saint-Herblain, Indre ou encore Orvault, qui accueillent à elles seules 250 roms sur les 1800 installés dans l'agglomération. Le maire reconnaît que les mentalités ont un peu évolué. C'est vrai que beaucoup d'élus ne voulaient pas en entendre parler dès l'instant où ils n'étaient pas touchés par le problème. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est dans un espace communautaire, que nous sommes tous solidaires les uns des autres et qu'on ne peut pas comme ça fermer les yeux sur ce genre de situation. Nantes Métropole va donc agir dans le cadre de ses compétences, la gestion des déchets, l'eau, l'électricité. Les élus espèrent aussi que les autres communes du département participeront à cet effort. Évidemment, il ne s'agit pas d'envisager une répartition arithmétique sur le territoire, ce serait très difficile. Une petite commune de 3000 habitants située à l'extrémité de la métropole, on ne va pas lui demander d'accueillir 5-6 familles. Ce qu'elle pourra faire peut-être de plus, c'est d'accueillir une famille, scolariser les enfants. Bon, voilà, donc ça, il faut qu'on y travaille, mais c'est ça qu'il faut faire maintenant. Et pour y arriver, les élus attendent beaucoup du préfet et de l'État, mais aussi de l'Europe, car il ne faut pas l'oublier, les Roms sont des citoyens européens. Après la manifestation de ce jeudi à Nantes et les échauffourées qui ont perturbé le mouvement, les syndicats étudiants regrettent les violences entre casseurs et forces de l'ordre. 19 personnes ont été interpellées hier, dont 11 mineurs. Un jeune homme vient d'être condamné à 2 mois de prison ferme plus 2 de révocation de sursis pour avoir manifesté le visage dissimulé. Un nouvel appel à manifester a été lancé pour jeudi prochain, le 31 mars. Les organisateurs estudiantins en appellent à plus de vigilance, d'organisation et de solidarité dans le mouvement. Référendum local sur Notre-Dame-des-Landes, Manuel Valls et François Hollande vont devoir revoir leur copie. Le Conseil national de la transition écologique vient de rejeter à l'unanimité le projet d'ordonnance pour l'organisation de la consultation sur le projet d'aéroport. L'avis du CNTE n'est que consultatif, mais sonne comme un camouflet pour l'exécutif. Denis Vanier. La sanction est unanime. Associations, employeurs, syndicats, élus, tous les membres du Conseil de la transition écologique demandent au gouvernement de revoir sa copie, celle du projet d'ordonnance, premier pas vers la tenue d'une consultation publique sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cet avis n'a qu'une valeur indicative, libre au gouvernement de le suivre ou pas. Mais le principe même et les conditions de cette consultation étaient déjà sévèrement critiquées par les pros comme par les anti-aéroports. Il y a une telle impréparation, il y a une telle improvisation, que ce soit sur le périmètre géographique réduit à la Loire-Atlantique, que ce soit sur l'information fournie aux électeurs potentiels, sur les conditions du débat, sur le type de questions qui pourraient être posées, qu'au fond, tout le monde a considéré que c'était inacceptable du point de vue démocratique. C'est donc la stratégie d'apaisement du gouvernement qui est mise à mal aujourd'hui. Une autre instance plus écoutée, celle-ci, le Conseil d'État, doit donner son avis d'ici un mois. Voilà qui risque de retarder la date de cette consultation. Or, le temps presse pour le gouvernement. Manuel Valls veut lancer les travaux à l'automne à Notre-Dame-des-Landes. À Anceny, une délégation de producteurs agricoles de la région s'est rendue au siège de la coopérative Terena pour rencontrer la direction. Depuis le début de la crise agricole, la grande distribution est dans leur viseur, accusée de pratiquer des prix trop bas. Maintenant, c'est aux intermédiaires de rendre des comptes, comme les coopératives. Les explications d'Alain Nousser. Ils sont producteurs de lait, de viande ou de céréales. Ils partagent tous un même constat, ils ne vivent plus de leur métier. Aujourd'hui, ils demandent des comptes à leur première intermédiaire, les coopératives. On attend juste une chose de cela, c'est qu'elle respecte les contrats, parce que vis-à-vis de nous, on vend des choses à la coopérative, telles que des céréales,
Et là, elle nous dit, au prix d'achat de la récolte, à un moment donné, on vous paie tel prix, on vous donnera peut-être des ristournes, et quand le prix se casse la figure, on ne vous donne rien. Donc, vous avez livré, et puis vous n'êtes pas forcément payé. Des prix à la baisse en production et dans le même temps, des prix à la consommation qui augmentent. Où passent les marges? Comment sont-elles réparties? C'est l'une des questions posées aujourd'hui par la coordination rurale. Donc la coopération nous a répondu qu'elle était déjà engagée dans les contrats tripartites avec des marges réparties entre les différents maillons de la filière et qu'elle allait accentuer cette démarche auprès des producteurs, toutes productions confondues. Et nous avons surtout obtenu que la coopération allait demander ouvertement et fermement auprès des autorités européennes la régulation des volumes de production pour demain avoir un équilibre et des prix rémunérateurs. Être mieux rémunéré ici et maintenant et mieux représenté à l'échelle européenne dans les prochains mois, c'est l'appel urgent envoyé à Terena et à toutes les coopératives de l'Ouest. Et je vous propose de rester à Ancigny où une grande partie du personnel de la fonderie Bouillet est en grève depuis 11 jours. Les grévistes dénoncent le manque de dialogue social avec la direction et pourtant les négociations avancent bon an mal an. La présidence a accepté l'une des revendications des syndicats mais pas celle des salaires la plus importante. Je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Alain Nousser. Enfin, ils ont accepté le principe d'une intervention d'un organisme extérieur. Ça veut dire agréé par la directe qui est l'inspection du travail pour s'emparer de la question conditions de travail et organisation, organisation du travail. Il faut savoir aujourd'hui qu'on arrive au 10e jour de grève. La plupart des salariés ont fait le choix de sacrifier presque la moitié de leur salaire. Et les temps, on sait très bien qu'ils sont durs, mais ça exprime une chose. Il y a un vrai mal-être au travail aujourd'hui. Le HBC Nantes est passé à un cheveu de l'exploit ce jeudi soir face au PSG. Les joueurs de Thierry Henty se sont inclinés d'un petit but après avoir eu la balle de match dans les derniers instants. Score final 34 à 33 pour les champions de France en titre. Et autre mauvaise nouvelle pour le H, la sortie sur blessure de Rodrigo Salinas. Il souffre d'une sévère entorse de la cheville. Au classement, le H redescend à la 6e place de D1 à 3 points de la 3e place. Les futurs Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo sont peut-être à Orvault ce week-end jusqu'à dimanche. 120 équipes des moins de 11 ans s'affrontent pour le titre de champion du mini-mondial. Parmi elles, des clubs comme le FC Barcelone ou la Juventus de Turin. Certaines viennent d'encore plus loin, comme le club vietnamien de Hanoï, coaché par un Nantais. C'est un reportage de Cédric Manet. Redouane Foulier a grandi à Nantes, dans le quartier du Chêne des Anglais. Aujourd'hui, il vit au Vietnam, à Hanoï, où il s'occupe d'une équipe de football de 450 enfants. C'est lui qui a contacté les organisateurs du mondial de football d'Orvault. Moi, tu vois, je revois tous mes amis qui sont devenus entraîneurs, les enfants que j'ai connus petits qui sont maintenant joueurs. Du coup, ouais, c'est une super expérience. Redouane Foulier a atterri dans le football vietnamien il y a 4 ans, presque par hasard. J'étais finir mon Master 2 en gestion de projet. Donc en fait ça prend son sens hein, parce que c'était un projet bon, dans le sport, dans le foot, mais bon c'est dans le cadre de mes études, du coup c'était super, super pertinent. La délégation compte 25 Vietnamiens. Chacun a déboursé 2 500 $ américains pour participer à ce mondial. Les familles ont beaucoup contribué pour la prise en charge du voyage et du séjour. Première rencontre pour les petits Hanoïens, un match exotique face à l'AS Preux. L'entraîneur du quartier nantais s'est un peu improvisé prof de géographie. On leur a expliqué une petite ville du Vietnam. Et du coup, bah, on n'a pas été voir géographiquement, mais on leur a expliqué un petit peu quand même. Ils ont un peu une idée. Entrée sur le terrain sur l'air de la Ligue des champions, inspirée d'un thème du compositeur allemand Handel. La photo d'avant-match, les encouragements des Vietnamiens de Nantes. Ça ne suffira pas. C'est l'AS Preux qui s'impose 2 à 0. Pour ces gamins, le but est ailleurs. Par exemple, pratiquer pendant 5 jours cette langue bizarre apprise sur les bancs des écoles vietnamiennes. Je veux être le footballeur professionnel en France, mais je crois que c'est difficile. Et puis sachez que ce week-end, c'est la grande braderie de Nantes. 800 commerçants sont attendus entre la place Gralin et la rue de Strasbourg à partir de 9h. Et puis, un dernier mot pour vous rappeler que nous changeons d'heure demain samedi, plus précisément dans la nuit de samedi à dimanche. Il vous faudra avancer votre montre d'une heure pour passer à l'heure d'été. La mauvaise nouvelle, c'est que nous perdons une heure de sommeil. La bonne, c'est que nous gagnons une heure de soleil. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end sur Télé Nantes et à lundi.